Allô, ici Claudia La Rochelle. Bienvenue dans la zone bouquinée sur avenue.ca. Des suggestions aujourd'hui. Allée Zénitaire avec toute une moitié du monde. Ça vient de paraître chez Flammarion là, pour cette dernière rentrée littéraire-là. Si vous aimez lire, en fait, c'est comme un. En fait, c'est un récit finalement, mais c'est un récit à travers lequel elle révèle des études, des références, des statistiques sur. Ben, des statistiques. Rien d'exhaustif ou. On ne se prend pas la tête, là, pas du tout. Très intéressant parce qu'elle nous révèle ses habitudes comme lectrice. Quel type de lectrice elle est? Évidemment, ça m'a beaucoup intéressée, vous comprendrez. Et comment ses lectures ont pu influencer sa vie d'écrivaine aussi. Elle écrit super bien, là, cela dit. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ça parce que on y trouve aussi comment, à travers l'histoire, on a donné vie à des héroïnes d'une manière très péjorative, très sexiste, très irréelle aussi à travers les livres, parce que beaucoup, évidemment, de livres écrits par des hommes, puis il y a comme l'espèce de mainmise du patriarcat parfois sur les histoires. Elle nous parle du male gaze, elle nous parle de tous ces stéréotypes qu'elle casse les uns après les autres. Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Et c'est pour que ça, il y a ça. Mais il y a aussi comment nos lectures d'enfance nous façonnent, comment ce qu'on nous raconte, la fiction qu'on nous raconte, a un impact après dans notre vie d'adulte, dans notre humanité, dans la façon dont on interprète le monde même. C'est vraiment intéressant. C'est une lecture brillante que vous ferez de ce livre-là. Donc, tu sais, elle écrit, les personnages de mes lectures m'accompagnent si bien qu'il m'arrive d'avoir envie de demander de leurs nouvelles. Comment aussi, quand on aime beaucoup lire, les personnages justement sont prenants. Alors, c'est chez Flammarion, je vous le conseille vivement. Un bel essai, récit aussi. Donc, il y a quelque chose de très brillant que je n'avais jamais retrouvé non plus ailleurs. On a tout l'automne, cette fois, de la Québécoise Juliana Léveillé-Trudel. C'est à la Peuplade. C'est elle qui avait fait paraître Nirlite. Peut-être vous souvenez-vous de Nirlite. Ce livre-là avait fait grand bruit. On en avait beaucoup parlé il y a quelques années quand c'était paru. Et cette fois-ci, dans la même veine, elle continue de tracer son beau sillon là, dans la neige du Grand Nord en terre inuite. Et elle raconte à travers les mots de sa narratrice, donc son alter ego, son retour donc en terre inuite, de quelle manière elle a retrouvé les jeunes après être allée quand ils étaient petits, comment elle retrouve l'adolescence là-bas. Donc, c'est vraiment aussi un regard sur l'adolescence donc chez les Inuits. Et il y a de elle aussi, elle y met du sien aussi. Elle est confrontée à sa propre manière d'avoir envisagé la vie, d'avoir été dans le monde à l'adolescence, ce qu'on traîne encore de nos traumas de jeunesse aussi, nos deuils. Elle parle beaucoup de la vraie résilience, cette résilience qui n'est pas galvaudée. Le mot est souvent galvaudé, c'est pour ça que je dis ça, mais la résilience des jeunes qu'elle rencontre là-bas, son alter ego, de comment ils sont aussi encore bien accrochés, bien attachés à leur tradition ancestrale aussi, son rapport à la langue aussi, qu'elle a appris cette langue-là, comment ces liens à son alter ego, à sa narratrice, se sont façonnés, se sont forgés au fil du temps avec cette jeunesse-là. Donc, oui, un livre sur la jeunesse chez les Inuits, mais pas que ça. C'est un livre aussi sur la force de la jeunesse. La capacité de se remettre, de replonger après des épreuves très, très difficiles. Donc, voilà, c'est magnifique. Je vous le dis, ça, on a tout l'automne. C'est certainement un de mes plus beaux titres de l'automne. Et j'ai très, très hâte que vous plongiez à l'intérieur de ce livre-là. Vous saurez m'en reparler assurément. Et pour terminer, un très bel album jeunesse, Les Ballons d'eau. Les Ballons d'eau de Sarah De Gonze, qui a écrit une histoire sur l'hypersensibilité, justement, si jamais vous avez des jeunes dans votre entourage qui sont hypersensibles, avec des illustrations d'Élodie Duhamel, c'est paru à la Bagnole. C'est ça, c'est comme une histoire d'hypersensibilité. C'est sa fille Charlie qui lui a inspiré ce titre-là.
avec des ballons qui représentent des émotions. Comment, quand on est jeune et qu'on est aux prises avec des troubles d'hypersensibilité, puis je sais qu'il y en a beaucoup là, qui vivent ça quand même, peut-être plus qu'avant, ou peut-être qu'il y a plus de diagnostics qu'avant aussi, mais de quelle manière on envisage le monde, de quelle manière on peut lutter contre ces émotions-là. Et ce livre-là, du moins, nous aide à comprendre, à comprendre avec nos enfants aussi comment dompter ces démons-là, comme ces petits ballons-là dans l'histoire. C'est magnifique. Et ça, je vous le dis, là, ce livre-là, je vais le garder longtemps. Il continue d'accompagner ma propre fille qui a beaucoup d'émotions en ce moment parce qu'elle vit toutes sortes de choses. Donc, c'est un livre qui est précieux. C'est une ressource aussi. Dont devraient se prémunir les enseignants, les éducateurs, éducatrices. Voilà. Alors, c'est tout. Ben, on se retrouve très vite. Merci d'avoir été à l'écoute. Et puis, ben, suivez les chroniques de mes collègues hein, sur avenue.ca. C'est très important parce qu'ils sont très doués. Allez, je vous embrasse. À bientôt.